sans 80 pieds. La source de l'eau qui tombe de Yershut est 85 grandes. D'ici, l'eau voyage la longueur de la rivière Niagara pour se rejoindre au lac Ontario, suivi par le fleuve Saint-Laurent et enfin l'océan Atlantique. Immédiatement à la droite de Yershut, on aperçoit la piste de la marche derrière Yershut. Oh, that's it, Lynn. Okay, well, you're all safe.